Très heureux de vous retrouver, vous allez apprendre à jouer The Claw de l'excellent Jerry Reed. C'était pas juste un guitariste virtuose extraordinaire, l'une des plus grandes influences de tous les amateurs de picking, c'était aussi un chanteur et un acteur. Alors ce morceau The Claw, eh bien, c'est vraiment le morceau emblématique de Jerry Reed, donc il faut l'apprendre et je voulais absolument vous faire un petit tutoriel dessus. Bon, il a fallu quand même passer un petit peu de temps à décortiquer tous ces motifs qui sont absolument géniaux. Eh bien, je vais vous montrer que oui, vous aussi, vous pouvez apprendre à le jouer. Au travers de 5 points, je vais vous montrer pourquoi c'est le bon morceau pour vous, pourquoi il faut l'apprendre, pourquoi ce morceau, il va vous aider à progresser et à exploser votre niveau en finger picking et en picking tout simplement. Allez, c'est parti! La première des raisons, eh bien, tout simplement, il se joue sur une guitare classique, sur une guitare avec des cordes en nylon. Oui, absolument, pour l'occasion, j'ai sorti cette magnifique ovation avec des cordes en nylon. Alors attention toutefois, il va falloir désaccorder la guitare d'un demi-ton pour avoir les cordes bien ramollies. Vous allez voir, tous ces petits motifs bluesy, ils vont passer beaucoup plus facilement. Deuxième point hyper sympa, c'est que tout se joue eh bien, entre la première et la 12e case. En fait, à la fin, on va aller jusqu'à la 12e case, mais 90% du morceau se joue entre la première et la 7e case. La deuxième raison, c'est que ce morceau, il se joue à tous les tempos. Oui, vous avez bien entendu, c'est pas un morceau qui se joue uniquement à fond la caisse. Il sonne très bien quand il est joué lentement. Vous pouvez accélérer, vous pouvez vraiment le jouer au tempo que vous voulez. Et il me semble qu'au début, je l'ai joué peut-être un tout petit peu moins vite que la version originale. La troisième raison, devinez quoi, le thème de ce morceau, le riff principal, c'est le plus facile de tous. C'est-à-dire que la partie qu'on a envie d'entendre le plus dans ce morceau et qui revient le plus, c'est également la partie la plus facile. Donc même si vous n'apprenez pas tout le morceau, eh bien rien que ça déjà, vous allez pouvoir l'apprendre et je vous montre comment on le joue. Vous avez pratiquement 2 mesures à apprendre et vous avez déjà tout l'esprit du morceau. Donc c'est vraiment très accessible, vous allez former un La 7e. Mais attention, on va le jouer avec l'onglet sur la corde de La. Le doigt numéro 1 va claquer un petit peu la corde de Ré. Et les doigts numéro 2 et les doigts numéro 3 de la main chevalet vont claquer les cordes Sol et Si. 1 et 2 et... On a cette basse alternée, donc maintenant c'est la corde de Mi grave. Et l'index, il va être sur la corde numéro 2, mais cette fois-ci, c'est la case numéro 1. Doigt numéro 1, case numéro 1, on ne peut pas se tromper. Donc on alterne le La 7. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc c'est pour ça que vous allez utiliser le doigt numéro 3 à la case numéro 3 pour avoir cette petite walking bass. Et ensuite, on plaque le La sur la mesure suivante, le La 7 bien entendu. Et ensuite on a les pull-off rapides. 1, 2, 3. Donc ces doubles croches, eh bien, vous les jouez et vous les lisez comme 4 doubles croches, sauf que la quatrième, vous n'allez pas la jouer. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, vous allez faire 1, 2, 3. Et le 4, ça va être 4 et. Ensemble lentement. 1 et 2. Et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et... Vous pouvez bien entendu utiliser le petit doigt à la troisième case. Alors ensuite, évidemment, vous allez jouer le motif en Ré. Et on va démarrer une corde plus bas, donc deuxième case. Donc c'est la même chose, mais une corde plus bas. Et sur le Ré 7, on va le jouer comme ceci. Donc on accroche, pouce, index et ces deux doigts, case numéro 1 et case numéro 2. On alterne la basse. Là, ça va être un demi-barré à la première case. Doigt numéro 3 ou le petit doigt. 1 et
3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et... Donc on revient ensuite sur le motif en La. Il va falloir bien entendu mettre de la dynamique, claquer les cordes, mettre des accents. Essayez vraiment d'accrocher ces cordes, de les tirer. Le point suivant, eh bien, ce sont ces fameux double stops qui sont typiques de Jerry Reed. Ce sont ces doubles notes. Elles sonnent absolument géniales. Et si vous êtes des amateurs de picking et de blues, il faut absolument apprendre cette technique-là. Donc, on va lier des notes qui sont pincées avec deux doigts ou alors simultanément avec un doigt et avec l'onglet. On démarre sur la troisième corde, la corde de sol, à la deuxième case. Vous allez slider jusqu'à la sixième, jusqu'à la tierce majeure. On fait vraiment cet intervalle de fondamentale et tierce majeure. 5, 7. Vous allez pincer ces deux cordes à la cinquième case pour faire le demi-barré. Ensuite 5-4, donc là vous allez utiliser deux doigts, le demi-barré 7-7, parce que vous allez pouvoir enrouler comme ça la septième case corde de Ré, 5, et vous n'avez pas besoin de faire la grace note, vous allez faire 5, et la double note, la diade de La majeure. Donc le premier temps est vide, 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3 et 4 et... On travaille ça lentement et ensuite on passe à la mesure numéro 3. Septième case. Alors là, on a un intervalle conséquent avec la corde à vide demi-grave. Très intéressant cette diade de Ré septième. On va avoir juste la tierce. Tierce majeure, évidemment, la septième bémol. Vous connaissez certainement ce Ré 7 là. Voilà, vous gardez simplement ces deux notes-là. Le doigt numéro 1, demi-barré. On va décaler le doigt numéro 1 à la première case. Donc on a cette note en pivot, la corde de La. Je vais l'accrocher donc avec onglet et deux doigts. Corde de Ré et corde de Sol. Pull-off 3-0. 0-2. 0, 2, 0. Les doubles croches, c'est comme si on avait 4 doubles croches, mais on jouait simplement les 3 premières. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 et... Vous pouvez attaquer avec l'onglet ou simplement avec un pull-off. 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2. Et enfin, la dernière raison pour laquelle ce morceau, il faut l'apprendre, eh bien tout simplement parce que c'est pas juste un morceau sympa à écouter, c'est une véritable étude picking, étude bluesy, étude country avec tous les motifs que vous avez besoin de connaître dans ces styles-là qui sont réunis dans un seul morceau. Alors vous avez vu tous ces passages un petit peu exotiques comme à la fin où on a des accords qui sont des accords jazzy, sont absolument magnifiques avec des accords diminués septième. Les passages les plus techniques, malheureusement dans cette vidéo je ne pourrai pas les aborder mais je les aborde dans une autre vidéo qui est disponible à tous les tipeurs, donc rendez-vous sur ma page Tipeee. En plus, vous aurez les tablatures complètes de ce morceau, pas juste le riff de l'intro. C'est plus de 4 pages en PDF et au format Guitar Pro qui vous est accessible et en même temps, vous supportez la chaîne Roue Guitare. Je vous remercie, votre support, il est très très important pour cette chaîne. Allez, vous me dites quels sont les autres morceaux de Jerry Reed que vous aimeriez
me voir couvrir sur cette chaîne. Je ne peux pas vous promettre que je vais les apprendre tous, mais en tout cas, voilà, s'il y a des morceaux sympas, je les mettrai dans ma liste de morceaux à travailler et on fera au fur et à mesure un petit tutoriel dessus. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto guitare. Bye bye.